C'est l'émission Devalue qu'un avec Bobette et David de Mapamomboli. Nous sommes là pour passer un temps merveilleux avec vous. Je crois que vous êtes là devant leur petit écran à la maison, ou soit dans votre chambre sur smartphone, ou bien dans la voiture, ou au travail. Vous êtes en train de nous suivre dans les quatre coins du monde pour l'émission Devalue qu'un. Dans Devalue qu'un, c'est une émission ouverte à tous ceux qui sont dans le mariage. Vous êtes mariés depuis quelques années, mariés depuis plusieurs années. Cette émission est là pour vous. Vous êtes aussi un couple fiancé, c'est-à-dire que vous vous aimez déjà et vous êtes en train d'officialiser votre mariage. Eh bien, cette émission est faite pour vous. Vous êtes aussi célibataire. Vous êtes en train de chercher l'âme sœur ou l'homme de votre vie ou la femme de votre vie. Cette émission est là pour vous préparer à faire le bon choix. Vous êtes aussi dans le mariage. Vous êtes sorti d'un mariage déçu à cause d'une mauvaise relation avec quelqu'un et vous êtes dégoûté par le mariage. Cette émission est là aussi pour vous restaurer le goût du mariage et pour que vous puissiez vivre les bonnes choses que Dieu vous réserve. Alors aujourd'hui, nous sommes avec vous et nous voulons passer encore un moment merveilleux autour d'un thème très très intéressant que nous voulons partager avec vous. Alors, chérie, quel est le thème merveilleux que nous voulons encore partager avec nos amis qui nous suivent? Je te laisse. Aujourd'hui, on va parler sur le grand danger de mauvaise fréquentation pour votre couple. Wow, grand danger des mauvaises fréquentations pour votre couple. Wow. Nous avons... Voilà, donc nous allons d'abord commencer par une introduction à ce message. Et, quand j'étais beaucoup plus jeune, je me rappelle que quand on était encore dans les écoles secondaires ou bien le collège pour certains d'entre vous, et que peut-être tu tombais amoureux d'une fille, alors tu ne savais pas comment aborder cette fille, peut-être qu'elle n'était pas facile à approcher ou la rendre visite était difficile. On prenait toujours un ami, un ami ou une amie qui était proche à cette fille-là pour pouvoir aborder cette fille. Et puis on lui disait, bon écoute, toi j'aime cette fille, comme toi tu es bien avec elle, est-ce que tu peux l'approcher, lui dire que je l'aime. Et cette personne devenait maintenant ton porte-parole. Il parlait de toi à la fille et la fille aussi rapportait ses émotions auprès de chez toi. Et des fois, c'est quand tu écrivais la lettre, c'était lui l'émissaire. Tu envoies une lettre, papa, en donnant à la fille. Lui, il laisse la fille. La fille aussi écrit et lui donne cela. Mais souvent, ce genre de relation tombait en catastrophe. Tu sais pourquoi, chérie? C'est parce que des fois, celui qui est l'émissaire, le porte-parole, celui qui fait l'intermédiaire entre vous deux, peut-être qu'il était amoureux de toi. C'est-à-dire que la fille, elle voulait que c'est toi que tu puisses l'aimer, elle, mais tu es parti aimer son ami. Et qu'est-ce qui se passe? Lorsque tu vas chez elle lui rapporter des choses, au lieu de transmettre le message fidèlement de ce que tu veux à ta copine, elle rajoute des trucs bizarres, comme on dit, on met du pili-pili à la sauce, ou soit alors, elle retranche des vérités. Et les conflits naissent et puis... cette relation de copain-copine ou bien de fiancé ne marche pas parce que l'un des individus a créé un conflit dans cette relation. Donc, on voit ici que par cette histoire, comment une fréquentation peut être un danger dans votre couple. Mais nous allons aussi voir dans la parole de Dieu comment aussi un couple s'est retrouvé aussi un danger dans la Bible, ce couple qui est encore... Le premier mariage dans la Bible. Oui. Donc le premier couple dans la Bible qui est Adam et Ève. Nous allons lire une histoire dans la Bible qui nous montre cela sur le premier couple qui a passé par un grand souci au niveau d'une fréquentation qui a détruit leur foyer. On lit dans Genèse chapitre 3, le verset 1 jusqu'à 23. Genèse chapitre 3. Le verset 1 jusqu'à 18, c'est beaucoup mieux parce que 23, ça nous fait long. Alors, Genèse chapitre 3, le verset 1 jusqu'à 18, je vais faire la lecture dans le nom de Jésus. Amen. Donc, nous prenons Genèse. Si vous avez vos Bibles, vous prenez Genèse au chapitre 3. Et à partir du verset 1 jusqu'à 18,
Alors, je vais faire la lecture, excusez-moi. La Bible déclare ceci. Parmi les bêtes sauvages que le Seigneur Dieu a faites, le serpent était le plus risé. Il demanda à la femme, « Est-ce que Dieu vous a vraiment dit, ne mangez aucun fruit du jardin ?» La femme répond au serpent, « Nous pouvons manger les fruits du jardin, mais pas pour l'arbre qui est au milieu du jardin. Dieu a dit, ne mangez pas ces fruits et n'y touchez pas, sinon vous mourrez. » Le serpent répond à la femme, « Pas du tout, vous ne mourrez pas, mais Dieu le sait bien, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, vous serez comme des dieux, vous pourrez savoir ce qui est bien ou mal. » La femme se dit, « Les fruits de cet arbre sont beaux, ils doivent être bons, ils donnent envie d'en manger pour savoir plus de choses. » Elle prend un fruit de cet arbre et le mange. Elle en donne à son mari qui est avec elle et il en mange aussi. Alors les yeux s'ouvrent. Maintenant, ils voient qu'ils sont nus. Ils s'attachent ensemble des feuilles d'arbre et cela leur sert de bagne. Le soir, un vent léger se met à souffler. Le Seigneur Dieu se promène dans le jardin. L'homme et la femme l'entendent et ils se cachent devant lui parmi les arbres du jardin. Le Seigneur Dieu appelle l'homme et lui dit, « Où es-tu ? » L'homme répond, « J'étais entendu dans le jardin. J'ai eu peur parce que je suis nu. Alors je me suis caché. » Le Seigneur Dieu lui demande, « Qui t'a appris que tu étais nu ? Est-ce que tu as mangé les fruits que je t'avais interdit de manger ?» L'homme répond, « La femme que tu m'as donnée, c'est elle qui m'a donné ce fruit et j'en ai mangé. » Le Seigneur Dieu dit à la femme, « Qu'est-ce que tu as fait là ?» La femme répond, « Le serpent m'a trompé et j'ai mangé du fruit. » Alors le Seigneur Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, je te maudis parmi tous les animaux, tu avanceras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. » Et voici ce que je décide, la femme et toi, vous deviendrez des ennemis, ceux qui naîtront d'elle et ceux qui naîtront de toi deviendront des ennemis. Ceux qui naîtront d'elle t'écraseront la tête et toi tu les blesseras au talon. Ensuite le Seigneur dit à la femme, je rendrai tes grossesses pénibles et c'est dans la souffrance que tu mettras des enfants au monde. Tu seras attiré par ton mari, mais il sera ton maître. Puis le Seigneur Dieu dit à l'homme, tu as écouté ta femme et tu as mangé le fruit que je t'avais interdit de manger. À cause de toi, je maudis le sol. Tu devras te fatiguer tous les jours de ta vie pour tirer ta nourriture de la terre. Le sol produira pour toi des plantes épineuses de toutes sortes. Tu devras manger ce qui pousse dans les champs. Alléluia. Quelle triste histoire, une triste tragédie. Mais pour vous qui êtes des lecteurs de la Bible, ou soit si vous ne lisez pas la Bible, je vous encourage à lire la Bible, en commençant déjà par le livre de Genèse, mais en commençant par le chapitre 1 et le chapitre 2, nous verrons que dans les deux premiers chapitres, tout était beau. Parce que Dieu a créé le ciel, il a dit que c'est bon. Il a créé les océans, il a dit que c'est bon. Il a créé les îles, les forêts équatoriales, les forêts, ceci, tout était bon. Il a créé toutes sortes d'animaux, les insectes, les reptiles, les mammifères. Il a dit c'est bon. Et puis il a créé l'homme à son image, il était bon. Et puis il a dit, il y a une chose qui n'était pas bon, c'est que l'homme soit tout seul. Il crée une femme au nom de elle, et puis il dit c'est bon. Donc le mariage c'était un peu comme la cerise sur le gâteau. Tu vois, quand tu fais un beau cadeau, puis tu mets une cerise, non, tout était parfait. Mais il y a une chose, comme tu le dis, qui est venue à gâcher tout et amener cette grande tragédie dans ce mariage. Ça a été une mauvaise fréquentation. Parce que par avant, il y avait Dieu, il y avait toute cette création, il y avait les richesses, il y avait l'homme, il y avait sa compagne, sa femme qui était juste à côté de lui. Et à côté, il y a eu maintenant un intrus, un serpent, le diable qui s'est camouflé dans ce serpent-là, qui est venu les donner de mauvais conseils, qui les a détournés du plan que Dieu avait pour leur vie. Et lorsque Adam et Ève ont suivi
cette mauvaise fréquentation, eh bien, nous avons maintenant cette tragédie qui vient d'arriver. Mm-hmm. Donc, bien-aimés, voilà comment dans cette histoire, la tragédie est arrivée. Mm-hmm. Et nous voyons aussi que, à travers cette mauvaise fréquentation, mm-hmm. une grande porte de malheur est arrivée. Mm-hmm. Que nous pouvons voir, premièrement... Donc, on voit les responsabilités de l'homme déjà. Ouais, l'homme a perdu sa responsabilité. Mm-hmm. Il ne voulait plus assumer que c'est lui qui est fautif dans cela. Pourtant, Dieu l'avait dit que non, tu es responsable de garder le jardin, tu ne dois pas toucher à l'arbre. L'homme a perdu sa responsabilité. L'accusation. Il commence à s'accuser les uns les autres. C'est toi qui as fait ceci. Non, c'est pas moi, c'est le serpent, tout ceci. Et puis, nous voyons aussi la malédiction qui est arrivée. Donc, au début, chapitre 1 à chapitre 2, le Seigneur parlait de bonnes choses, la bénédiction. Parce que la bénédiction, c'est parler du bien. Et maintenant, chapitre 3, il y a un autre vocabulaire qui entre Dieu parle mal. Mm. Et là, ce sont la malédiction. Mm. Dieu parle mal. Et parmi ces mauvaises choses, on voit que Dieu annonce qu'ils vont mourir. Mm. Donc, il y a la mort qui est entrée. Mm. Il y a aussi la maladie qui est entrée dans ce couple. Mm. Et nous voyons aussi la pauvreté qui est venue, la honte. Parce qu'il n'osait plus se montrer devant Dieu, l'humiliation devant toutes les créatures, eux qui étaient l'image de Dieu, qui étaient des princes, ils gouvernaient, ils s'en faisaient humilier. Et puis encore quoi, il y a le rabaissement, ils ont été rabaissés et ils ont perdu leur gloire et se sont retrouvés dans l'insécurité. Donc nous voyons vraiment une grande tragédie, chérie, dans ce qui s'est passé pour ce couple. Alors il y a des leçons que vous et moi, nous voulons tirer au travers de cette histoire du premier couple sur terre. Tu te rends compte, chérie, ce n'est pas un couple il y a cela 100 ans ou 200 ans, ou ce n'est pas un couple il y a cela 2000 ans à la naissance de Jésus-Christ, mais c'est plus des milliers d'années. Mais ce premier couple est tombé à cause d'une mauvaise fréquentation. Et le diable n'a pas changé de stratégie. Il utilise toujours la même stratégie au niveau de la mauvaise fréquentation pour détruire beaucoup de couples. Alors, la première leçon que nous pouvons tirer de l'histoire d'Adam et Ève, quelle est la première leçon que nous pouvons mener aujourd'hui? Sélectionner vos amis. Pourquoi ils doivent sélectionner? Je crois qu'il faut savoir sélectionner les amis parce que moi, je crois qu'il faut commencer à trier. Tu peux aimer tout le monde, en fait. Ouais. Donc, c'est ce que je voulais dire. Donc, tu peux aimer tout le monde, mais pour choisir les amis, c'est quelque chose vraiment de prendre sérieux et de personnel. Quoi. Ouais, ouais. Donc, Dieu nous oblige, je crois, d'aimer tout le monde parce que la parole de Dieu nous demande d'aimer. Aimer ton prochain comme toi-même. Mais pour choisir les amis, tu es libre. Ouais. Donc, on a le devoir d'aimer tout le monde, aimer ton voisin, aimer ton collègue, aimer ton prochain. Oui. Mais tu as le droit de choisir qui peuvent être tes amis. L'ami, c'est la personne intime, c'est la personne que tu peux échanger des choses, c'est la personne qui peut connaître tes faiblesses, c'est la personne que tu peux projeter tes projets. Et donc tu dois savoir de trier les amis, trier, d'accord. Écarter les mauvais amis et tout, et trier des bons amis. C'est comme ça me fait penser aussi, tu vois, j'ai l'habitude, chaque vendredi, je fais quoi? Chaque vendredi, quand je me réveille, je suis le matin. Fitness. Non, chaque vendredi, un truc que je fais souvent, tu oublies, chérie. Ah, pour aller au marché. Voilà. Oui, acheter les fruits. Après, c'est le fitness. Donc, il y a un truc que je fais souvent, c'est aller au marché. Moi-même, j'aime tellement les fruits et je vous encourage à manger les fruits et légumes. Quand je vais au marché acheter des fruits, il y a une chose que je fais, c'est je sélectionne les fruits. Les pommes peuvent être là, les bananes peuvent être là, mais je sélectionne les fruits. Je regarde est-ce que la banane n'est pas trop jaune ou bien elle est un peu verte. Si je la garde chez moi 2 ou 3 jours, je prends encore manger celle-là. Est-ce que l'avocat est déjà mûr? Donc, je sélectionne. Malgré que c'est un avocat, mais ce qui est bon pour moi et ma maison, je prends. Et ce qui est mauvais pour moi, j'écarte cela. Et de la même manière aussi, votre couple, vous devez savoir le protéger. C'est-à-dire qu'il faut savoir sélectionner les amis que vous devez avoir dans votre couple. Prendre les bons, ce que tu vois qui peut être bon pour ton couple, bon pour ton mari et ta femme, tu gardes cela comme des amis dans votre couple. Et ce que tu vois que non, ça peut être nuisible. Donc, prendre ceux qui vous
convient le mieux. Ce qui peut être nuisible, qui peut être pourrir, être un poison pour votre couple, vous freiner, vous empêcher d'aller de l'avant, il faut maintenant les écarter. Il ne faut pas avoir pitié de dire que non, bon, il va, qu'est-ce qu'il va. Non, écarte-le parce que la survie de ton couple dépend. Si Adam et Ève avaient écarté les serpents, on ne serait pas là aujourd'hui. Il n'y aura pas toutes ces maladies, il n'y aura pas toutes les guerres que nous connaissons aujourd'hui, il n'y aura pas toutes ces haines. Donc aussi, il y a beaucoup de choses que tu peux épargner pour le futur de ta vie, de ton couple, de ta famille, en savant écarter les mauvais amis et sélectionner. Donc, dès à présent, toi et madame, asseyez-vous. Dans votre répertoire de votre GSM, commencez à voir quels sont les bons amis qu'il faut garder et quels sont les mauvais amis qu'il faut écarter. Alors, quelle est la deuxième leçon aussi que nous pouvons tirer de l'histoire de ce couple, chérie, entre Adam et Ève? Parce que tu m'as dit d'abord que la première leçon, c'était sélectionner les amis. Mais la deuxième leçon que nous pouvons tirer de cela? La deuxième leçon, je crois, il faut être vigilant sur la fréquentation. Ok. Oui. Donc, être vigilant sur la fréquentation de ton partenaire. Moi, je dois être vigilant sur les amis que tu as. Et toi, de ton côté, tu dois être aussi vigilant sur les amis que je fréquente. Et cette fréquentation peut se faire où? C'est à la maison? C'est dans le quartier? Non, même dans les quartiers, tu dois avoir de bons amis. Dans le quartier, il faut avoir de bons amis que vous fréquentez, tu vois. Être vigilant, voir comment avec le voisin, ce que ton mari fait avec dans le quartier. Il faut être vigilant. Avec la fréquentation. Avec le voisinage. Dans le voisinage, surtout parce qu'il y a souvent ce qu'on appelle en lingala, on dit les songi-songi, ou soit les calomnies en français. C'est-à-dire qu'il y a certaines fréquentations que ta femme ou ton mari peut avoir avec une personne dans le quartier. Cette personne amène toujours des zizanies, des calomnies, de ceci, cela, cela, et puis ça détruit maintenant votre couple, tout ceci. Et puis aussi, il y a d'autres personnes qui ont des pensées malsaines. Peut-être qu'elle est amoureuse de ton mari, ou bien il est amoureux de ta femme. Ils observent il ou elle vous observe toujours de loin. Et quand toi, tu pars au travail, il s'approche de ton mari, il s'approche de ta femme. Toi, tu penses que tout va bien, qu'il est un bon voisin, mais en réalité, ton voisin est devenu l'amant de ton mari, ou ta voisine est devenue la maîtresse de ton mari. Donc, dans les travails aussi. Voilà. Dans les travails, des fois aussi, les collègues peuvent tomber amoureux, tu vois, ton mari ou de ta femme et tout. Il faut être aussi vigilant. Quels sont les amis que ton mari ou ta femme au travail. C'est très important parce que souvent, nous sortons aussi. Comme moi, par exemple, on a des team building avec des amis et tout. Il faut savoir qu'est-ce que vous faites là-bas et tout. Il faut savoir si c'est pas quelque chose. Entre parenthèses, le team building, c'est dans le monde du travail. Quand les gens travaillent, ils ont des séances de team building. C'est-à-dire qu'ils se disent c'est-à-dire qu'entre amis, entre collègues du travail, on se dit bon, tel vendredi ou tel samedi, on part manger au restaurant, on part au cinéma, on part faire du bowling ou soit patiner. Et souvent, c'est souvent dans ce genre de choses aussi, quand c'est mal contrôlé, que peut-être l'un de partenaires peut tromper son mari dans les activités. Et puis maintenant, ça devient on va dans les boîtes de nuit, tout ceci. Soit dans les affaires aussi. Dans les affaires, dans il y a maintenant le business et tout. Maintenant, il y a des mamans Guangzhou et tout, et des trucs comme ça. Il faut savoir aussi là où ta femme. Donc, Guangzhou, il faut bien expliquer aux gens, c'est une des villes en Chine où la plupart des Africains vont souvent pour faire des affaires. Donc, là, j'ai mis seulement c'est un exemple. Exemple. Oui. Les gens vont peut-être soit à Guangzhou, ou soit ils partent peut-être au Bénin, ou soit ils partent dans tel pays faire un business. Et quand ils arrivent là-bas, on rencontre des histoires comme bien peut-être la personne pour faire dédouaner peut-être ses cargaisons de trucs qu'elle a amené là-bas, elle couche avec le propriétaire du port, ou soit pour faire réussir ses affaires, elle prend des gris-gris, des fétiches, ou soit des trucs flous là. Et maintenant,
toi, tu ne fais pas attention aux relations que ton mari ou ta femme fait dans le business. Mmh. Et maintenant, ça met maintenant un feu étranger dans le couple qui peut détruire. Moi, je sois de loisir aussi. Ouais. Les musiki, par exemple. Ouais, donc les musiki, ce sont les associations où les gens se réunissent pour faire des cotisations. C'est ça, oui. Voilà. Donc des trucs comme ça aussi, il faut faire attention parce que ça détruit aussi. Ces fréquentations aussi peuvent permettre aussi à ta femme de changer le comportement. Hein, ou bien tu vois ta femme était calme, mais comme elle fréquente maintenant les gens qui aiment des grandes choses et tout là, alors tu vois ta femme aussi veut voir beaucoup quoi. Ouais, parce que dans ce genre d'association où soit des hommes ou soit des femmes se rassemblent entre eux pour cotiser de l'argent, c'est un peu aussi la concurrence de prouver. Chacun vient ce jour à chaque rencontre avec des nouveaux vêtements, une nouvelle voiture, elle monte son argent, tout ceci. Vous avez votre mode de vie auparavant, mais maintenant ce qui se passe, c'est que maintenant, alors à ce moment, l'un commence à envier l'autre et tu ne sais pas comment cette personne a gagné son argent. Et tu veux aussi maintenant forcer ton mari à ce que vous gagnez aussi cet argent de la même manière. Alors ça crée des trucs. Alors il y a aussi, à part dans le business et les affaires et les musiki, les loisirs, je pense que c'est au niveau de l'église aussi, des fois aussi, il faut faire aussi attention à la fréquentation que ton mari ou ta femme peut avoir avec certains frères dans l'église, parce qu'il y a certains scandales, c'est pas seulement dans les lieux de business ou dans le lieu de travail, mais il y a aussi des grands scandales qui se font dans les églises. Parce que dans l'église, il y a du bleu, hein, la Bible dit qu'il y a du bleu, il y a du ivresse. Donc le bleu, c'était la bonne semence qu'on utilise dans la Bible, et l'ivresse, c'était la mauvaise semence. Donc on a des gens. Des faux frères, des faux sœurs aussi à l'église et tout, parce que des fois on a confiance à tout le monde. Donc comme c'est l'église, je peux me confier à tout le monde. L'église, c'est vrai, c'est là où le Seigneur est là, mais tout le monde qui vient là-bas ne sont pas de Dieu. Ouais. Et on a connu beaucoup de cas de couples qui étaient venus à l'église bien pour aimer le Seigneur, et puis en faisant trop confiance à un frère, parce qu'il chante bien, parce qu'il modère bien, ce frère avait de mauvaises intentions sur ta femme et tout ceci, ça détruit. Donc faire attention à la fréquentation. Et même aussi dans le ministère, pour ceux qui sont dans le ministère, vous êtes pasteur, apôtre, évangéliste, docteur ou chanteur de l'évangile, savoir quels sont les hommes et les femmes de Dieu que tu peux fréquenter dans ton ministère. Nous connaissons des couples qui aujourd'hui ne sont plus ensemble parce que le mari était pasteur, mais il avait de mauvaises fréquentations. Il fréquentait des amis pasteurs qui étaient divorcés. Et finalement, lui aussi, quand ça ne va pas avec sa femme, il a vu que tous ses amis sont des divorcés, mais leur ministère va toujours de l'avant. Il y a toujours de la foule de gens qui les suivent. Bon, moi aussi, je veux mettre ça à divorcer. Et maintenant, son couple est détruit pour rien. Donc, c'est très, très important d'être vigilant sur la fréquentation que ton mari et que ta femme peut avoir dans les différents milieux qu'on vient de citer, le cas. Le travail, le business, l'église, le ministère, les loisirs, c'est très très important. Et donc, troisième leçon que nous pouvons retenir, c'est que de la même manière que Adam et Ève, lorsqu'ils sont tombés, il y a eu cette grande tragédie qui est arrivée, c'est que Dieu a maudit, la pauvreté est entrée, la mort est entrée, la maladie est entrée. De la même manière aussi, si on ne fait pas attention à ces deux premiers points qui étaient 1. De sélectionner les amis. 2. Si tu as déjà des amis, veillez maintenant sur le genre de fréquentation que ton mari ou ta femme mène avec ton mari. Sinon, on ne veille pas sur ces deux points, la tragédie aussi va venir dans les couples. Cette tragédie, c'est que vous verrez maintenant quoi? Le divorce qui va venir dans votre couple, les disputes, l'infidélité, la maladie, le mensonge, les bagarres, la pauvreté. Il y a tant de choses qui peuvent arriver. Alors, devant ces choses, vous le dites, mais Pasteur David, Maman Robette, quels sont les conseils que vous pouvez nous aider pour pouvoir avoir une bonne fréquentation de nos amis? Nous voulons voir avec vous, à l'aide de la parole de Dieu, certains points qui vont nous montrer les conseils que nous pouvons vous donner afin que votre couple puisse réussir au niveau de sa fréquentation. Alors, le premier conseil biblique, nous allons lire dans quel passage comme ça? Nous allons lire un passage dans Proverbes chapitre 22.
le verset 24 à 25, si tu peux faire la lecture, chérie. Proverbe chapitre 22, le verset 24 à 25. Proverbe chapitre 22, si vous avez vos Bibles, le verset 24 à 25. Je lis au nom de Jésus. Ne fréquentez pas l'homme colleur, ne va pas avec l'homme violent, de peur que tu ne l'habitues à ses sentiers et qu'il ne devienne un piège pour ton âme. Ne sois pas parmi ceux qui prennent des engagements, parmi ceux qui cautionnent pour des dettes. Amen. Amen. Voilà, donc ici on dit, ne fréquente pas l'homme de peur que tu t'habitues au comportement de cet homme. Si cet homme était coléreux, tu risques de t'habituer, toi aussi tu deviens aussi coléreux. Si cet homme était méchant, toi aussi tu vas commencer à t'habituer à être méchant. Il y a un adage qui dit souvent qu'on dit que non, l'appétit vient en mangeant. Et vous les femmes aussi, quand vous préparez, quel accord se mettez-vous? Le beignet. Voilà, le beignet. Les petites levures là. Donc quand vous mettez juste une petite goutte. Une petite goutte seulement, mais après le beignet. La pâte. Donc, il faut faire très attention à vos fréquentations, parce que plus tu fréquentes quelqu'un qui dit toujours que moi je trempe les femmes, moi je trempe les femmes, ajoute aussi toi tu vas tromper ta femme. C'est ça. Plus tu fréquentes quelqu'un qui est toujours méchant avec son mari, toi aussi tu vas ajouter, prendre aussi cette habitude-là. Donc, la fréquentation que tu as peut t'habituer à augmenter dans le mal, comme aussi peut t'habituer à augmenter dans le bien. Voilà, très important. Deuxième petit conseil biblique. Là, nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 33. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 33. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33. Alors, la parole nous dit, attention, les mauvais amis poussent à faire le mal. Mais dans d'autres versions, j'aime l'autre version qui dit... C'est ça que j'ai. Ouais, tu peux lire. Ne vous trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent le bonheur. Voilà, écoutez bien ce texte, on dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est-à-dire qu'il y avait d'abord des bonnes mœurs, des bonnes habitudes, un bon style de vie, mais tout à cause des mauvais amis, ces bonnes choses ont disparu. Et là, c'est l'exemple que nous voulons vous donner aussi à vous qui êtes couple. Vous aviez peut-être votre style de vie dans votre couple. Dans un, c'est comme avant que je commence l'émission, il va se retrouver un de nos frères que nous travaillons dans l'équipe. Il disait que chaque week-end, tu sais qu'est-ce qu'il fait, c'est que c'est lui qui s'occupe de la cuisine. Donc, c'est lui qui prépare le déjeuner. Il prépare le déjeuner. Il est fort dans ce côté-là, je le salue, il se reconnaît sur l'écran. Et puis il disait que non, il appelle toute la maison. Et madame et tous les enfants, venez, la table est prête, on va manger. C'est bien ça. Et du coup, maintenant, si notre frère a une mauvaise fréquentation, un gars qui arrive à dire, ah, oh, toi, tu ne prépares pas la nourriture? Pourquoi tu ne prépares pas la nourriture? Elle ne va plus te respecter, c'est toi qui dois, tu dois les laisser elle-même préparer la nourriture. Voilà, tu avais ton bon mode de vie qui était, tu entraînais ta femme dans la cuisine, ou soit c'était dans le ménage, ou soit c'était pour aspirer, ou soit laver les vaisselles. Et puis un autre gars, il arrive, il te voit faire cela, il veut maintenant détruire ses mauvaises habitudes. Faites attention à ces gens-là. Gardez vos bonnes habitudes. Quel est notre exemple que nous pouvons encore donner, chérie, pour cela? Les exemples sont vraiment nombreux tellement, donc c'est seulement pour nous dire que donc on peut pas faire entrer les gens n'importe qui dans nos vies, parce que on a vraiment des fois même il y a des parents qui aident même leurs enfants peut-être à faire le devoir, mais il y a d'autres amis, ils n'ont pas ce temps là et pour eux ce temps là c'est pour regarder les foot, peut-être sortir, et quand toi tu restes à la maison, non je sors pas, tu peux rester, rester à la maison pour aider, pour m'occuper des enfants. Ils te voient comme si tu es... Tu es dépassé, tu n'es pas à la mode. Tu vois, donc c'est ça quoi. Donc c'est pourquoi il faut vraiment éviter de mauvaises fréquentations. Voilà. Parce qu'il y a d'autres gens qui viennent dans votre couple seulement pour vous détruire. Tellement ils voient qu'il y a l'harmonie dans votre couple, ils voient comment vous vivez votre vie. Pour lui, donc peut-être c'est pas vraiment...
Il n'aime pas ça. Un exemple, peut-être tu as l'habitude d'exprimer ton amour à ta femme. C'est-à-dire que tu n'as pas peur de lui dire je t'aime, De lui faire des bisous, et tout. De la tenir dans la main, de la complimenter. Puis lui, il ne fait jamais cela. Et puis il te dit, ah mon cher, pourquoi toi tu exprimes toujours dans l'amour? Une femme, quand tu l'aimes, il ne faut jamais lui montrer que tu l'aimes. Sinon, ça, tu l'aimes seulement dans le cadre de lui, il ne lui explique pas, sinon la grosse tête va te marcher. Non, c'est votre style de vie. Sinon, votre style de vie, c'est qu'il faut exprimer l'amour par des gestes, par des paroles. Fais-le. Ne te laisse pas impressionner par des amis. Ou d'autres, c'est peut-être eux, ils ne sortent jamais ensemble. Maintenant, quand toi, tu sors avec ta femme, tu pars au restaurant avec elle, tu fais ceci, tout ceci, ça devient un problème. Il veut maintenant t'inculquer son mode de vie. Donc, vous avez votre bonne habitude et tout, mais quelqu'un vient seulement pour détruire ça, quoi. Parce que il aime, au fait, déjà, il n'aimait pas ça. Donc il ne fait pas ça, il n'est pas capable. Maintenant, pour lui, il veut que vous aussi, vous soyez comme lui. Donc, il vient pour détruire. Donc, si, alors, c'est pourquoi il faut vraiment écarter ces gens-là à côté de vous. Sinon, prochainement, plus tard, il va vous causer beaucoup de problèmes dans votre couple. Vous verrez que vous avez bien commencé. Après, vous avez maintenant des incompréhensions et tout. Donc, ce qui n'était pas dans votre couple commence. Donc, c'est vraiment... Donc, souvenez-vous un peu comment vous aviez bien commencé votre vie en couple, votre relation. Et depuis qu'une certaine fréquentation est venue, les bonnes choses que vous aviez... Vous commencez maintenant à discuter dans le peu de choses. Avant, ça... Auparavant, quand tu sors, à tout moment, tu appelles ton mari ou ta femme pour savoir où tu es, comment tu vas. Et puis un ami, c'est toi. Ah, pourquoi toi, tu appelles ta femme? Moi, deux fois, je n'appelle pas ma femme, on se revoit seulement à la maison et tout et tout là. Il ne faut pas appeler, tu es tout là. Donc, toi... Gardez toujours vos bonnes. Donc, déjà, habitudes. Si vous avez ces conseils-là, si vous avez des amis déjà qui vous conseillent comme ça, il faut les écarter. Moi, je crois que vraiment, il y a beaucoup de divorces dans nos couples parce qu'on a fait entrer des faits étrangers dans notre couple. Il faut écarter des mauvais amis. Ok. On va lire encore deux petits versets parce que nous avançons petit à petit. Dans Psaume chapitre 1. Le verset, ça c'est le troisième conseil que nous voulons vous donner, c'est Psaume chapitre 1, le verset 1 à 3, Psaume chapitre 1. Si vous avez la parole de Dieu, prenez Psaume chapitre 1, le verset 1 jusqu'à 3. Je vais faire la lecture rapidement. La Bible déclare, voici l'homme heureux, il n'écoute pas les conseils des gens mauvais, il ne suit pas l'exemple de ceux qui font le mal, il ne s'assoit pas avec les moqueurs, au contraire, il aime l'enseignement du Seigneur, le redit jour et nuit dans son cours, dans son cœur, comme un arbre planté au cours, au bord de l'eau, il donne ce fruit au bon moment et ses feuilles restent vertes. Cet homme réussit dans tout ce qu'il fait. Mais on peut changer cette phrase en mettant le couple. On peut dire, voici le couple heureux. C'est le couple qui n'écoute pas les mauvais conseils des gens. Le couple heureux, c'est celui qui ne suit pas l'exemple des gens qui font le mal. Le couple heureux, c'est celui qui ne s'assied pas avec les gens moqueurs. Le couple heureux, c'est celui qui aime l'enseignement du Seigneur. C'est le couple heureux, c'est celui qui médite jour et nuit dans leur cœur la parole de Dieu. Et ce couple heureux sera comme un arbre qui est planté près d'un eau. Les feuilles restent toujours vertes. Et tout ce que fait ce couple réussit. Donc ici, le troisième conseil que nous pouvons donner par ce passage biblique, c'est que les couples doivent faire de la parole de Dieu leur mode de vie. Leur mode de vie, le meilleur ami. Le meilleur conseiller. Parce que beaucoup de couples chéris sont détruits par les mauvais conseils. Oh non, fais que ceci, fais cela, tout ceci. Mais faites la demande d'amis que le couple soit votre meilleur ami. C'est très, très, très important. Alléluia. Amen. Et le quatrième point que nous voulons prendre, c'est dans Proverbes, chapitre 13, le verset 20. Nous voulons lire le livre de Proverbes, chapitre 13, le verset 20. La Bible dit que si tu es avec les sages, tu deviendras sage. Si tu fréquentes les sots, tu auras des hommes. Alléluia, ça c'était le quatrième conseil biblique que nous voulons donner sur la fréquentation. Donc, bien aimé, il faut savoir choisir les bons amis dans la fréquentation. Le fer aiguise le fer. Mais un petit truc que je voudrais, qui me revient en tête, c'est que dans le troisième conseil qu'on nous disait sur la parole, il faut que la parole soit votre ami et que la parole
soit surtout le roc sur lequel vous fondez cela. Ouais, ça nous fait penser au message que nous a dit le pasteur Alain Bay la fois passée, que nous devons bâtir notre mariage sur le roc qui est Jésus, la parole de Dieu, parce que la Bible nous dit même si la tempête vient, mais comme votre couple était déjà fondé dans le roc qui est Jésus, ça va, même si ça bouge, ça, la tempête bouge et tout là, mais votre couple restera toujours solide parce que la parole de Dieu, Jésus-Christ, le fondement de toutes choses, est avec vous. Okay. Donc, on doit vraiment fonder notre vie, notre couple dans la parole, parce que la parole nous rassure, nous protège vraiment dans beaucoup de choses. Amen. Donc, ça, c'était pas pour revenir au troisième conseil, mais pour aller vers le quatrième conseil que nous avions donné, le fer aiguise le fer. Vous savez, les mamans, quand vous êtes à la cuisine, vous avez un couteau que vous voulez couper une tranche de viande et que le couteau n'arrive plus à bien couper, ce que vous faites, c'est que la plupart du temps, vous ne jetez pas le couteau, mais vous reprenez un autre couteau qui est neuf et vous commencez à l'aiguiser. Et du coup, l'ancien couteau qui n'était pas assez efficace devient efficace. Et quand tu prends cet ancien couteau, ça coupe. Donc, la personnalité d'une personne, quand tu es en contact avec cette personne, ça peut te rendre, tu étais moins efficace, tu deviens encore plus efficace. Donc, c'est quoi on dit? Si tu restes avec des sages, tu deviens sage. Voilà. Oui. C'est ce que la parole nous dit. C'est ça. Alors, donc, choisissez les bons amis dans votre couple. Des couples d'amis qui peuvent aider votre couple à monter plus haut. Des couples d'amis qui peuvent vous aider à mieux vous aimer dans votre couple. Parce qu'il y a des fois aussi, on entre dans le mariage, on ne connaît rien, ou bien c'est ton ami, des mauvais conseillers. Et maintenant, il faut choisir des bons amis, des bons conseillers. Comme ça, avec, quand vous êtes en contact avec eux, votre couple va d'excellence en excellence. Votre couple va de succès en succès. Votre couple va de bonheur en bonheur. Voilà, bien-aimés, nous voulions parler sur le danger de mauvaise fréquentation dans votre couple. Faites attention. Et surtout, sur lui, il y a un point qu'on a oublié de soulever, parce que là, nous faisons l'émission via les médias, mais aujourd'hui, avec tous les réseaux sociaux, Facebook, WhatsApp, Imo, Viber, Snapchat, et que sais-je encore, beaucoup détruits, de couples sont détruits à cause des mauvaises fréquentations qu'ils ont dans ces réseaux sociaux. Hein, chérie, il y a beaucoup de cas que... Tu vois même les gens qui reprennent leurs relations qu'ils avaient avant. Ça veut dire qu'il y avait un ancien copain, une ancienne copine qu'il avait, mais il est déjà marié. Et comme Facebook te permet de retrouver des certains... Il s'appelait encore comment? Il s'appelait Alain King Kanga. Tu mets le nom Alain King Kanga. Le nom par... Oh, Alain est devenu beau, hein? Et puis, qu'est-ce que tu... Alain, c'est moi Julie, tu te rappelles encore? Alain, c'est moi Aline, c'est moi Jessica, j'habitais dans la mairie. C'est... Ah oui, Jessica, je me rappelle de toi, qu'est-ce que tu deviens? Oh, bon, moi, je suis comme ça. Et puis Alain te dit que non, bon, moi, je suis célibataire. Toi aussi, au lieu de dire que non, tu es marié, non, moi aussi, je suis célibataire, j'ai des enfants. Mais tu es marié, mais non, j'ai seulement des enfants. Et les relations commencent à renaître. Vous voulez vous donner de rendez-vous. Vous êtes peut-être ici en Belgique. Vous vous donnez un rendez-vous à l'Espagne. Ou vous vous donnez un rendez-vous à Libreville. Et puis tu le vois. Et puis ça dérive. Vous couchez ensemble. Et maintenant le couple est détruit. Du coup, tu reviens du voyage. Ton mari pensait que tu étais parti voir des amis. Mais en réalité, tu étais parti voir cette mauvaise fréquentation que tu as vue sur WhatsApp, sur Facebook, tout ceci. Et puis tu reviens à la maison. Le comportement change. Tu ne veux plus parler, tu commences à menacer, tu dis que non, ça c'est pas mon mariage, je pense qu'on n'est pas dans la volonté de Dieu, je demande le divorce, et maintenant le couple s'est détruit comme ça. C'est triste en tout cas. Donc bien aimé, nous demandons, faites attention. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont dans le divorce, leurs couples sont détruits parce qu'ils ont eu des mauvaises fréquentations sur WhatsApp, sur Imo, sur Facebook, sur Instagram, sur tous ces réseaux sociaux. Nous ne sommes pas contre cela parce que nous utilisons cela pour prêcher l'évangile. Mais quand vous recevez des demandes d'amis, sélectionnez les amis que vous pouvez avoir sur les réseaux sociaux pour le bien de votre couple. Mais ou bien
tu as eu déjà tu as demandé, ou bien on t'a demandé, mais tu ne savais pas ce qui te demandait. Mais à ce moment, il faut maintenant écarter, comme vous venez de dire. Savoir écarter. Savoir écarter, donc ce que tu as déjà accepté, tu vois que cette relation n'aboutit de rien, tu les écartes. D'abord, tu écartes de manière poliment, avec douceur. Tu vois que la personne est récidiviste, c'est-à-dire qu'il insiste, là tu fais vraiment le mot, comme on l'a dit, écarter. Ou soit tu supprimes, comme Facebook le permet. Et comme ça, pour le bien-être de votre couple. Voilà donc, nos amis, nous voulons prier maintenant aussi avec vous par rapport à cette parole que nous venons d'écouter sur le danger des mauvaises fréquentations de votre couple. On va se tenir dans la main et ma femme va faire une prière à cet instant pour vous tous qui nous suivez. Chérie, tu vas prier pour toutes les personnes qui nous suivent à cet instant. Éternel notre Dieu, nous te disons merci, Seigneur, pour cette émission de Valmeka. Amen. Seigneur, le but, c'est seulement pour aider, Seigneur, mon Dieu, mon roi, les couples, Seigneur, mon Dieu. Parce que nous reconnaissons que c'est ça que tu as mis, Seigneur, mon Dieu, mon roi, dans le premier, Seigneur, mon Dieu, instruction dans ce monde. Amen. Papa, tu as établi le couple pour que nous soyons errés, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Et nous croyons que, Seigneur, le diable n'est pas content, Seigneur, de voir, Seigneur, le couple uni, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Alors, il envoie ces agents, Seigneur, mon Dieu, mon roi, peut-être par nos amis ou bien par vraiment des chemins, beaucoup de chemins, Seigneur. Mais notre prière est que, Seigneur, tu protèges les couples, Seigneur. Oh, papa, on en a marre de divorce, papa. Seigneur, car le couple, Seigneur, est appelé de rester, Seigneur, mon Dieu, de demeurer jusqu'à la mort, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Papa, ma prière est que nous refusons, Seigneur, le divorce. Et, mon Dieu, tous les amis qui viennent, Seigneur, pour détruire le couple, nous les écartons dans nos vies, dans le nom de Jésus-Christ. Que nos couples restent unis, papa. Que nos couples puissent être heureux, papa, Seigneur, mon Dieu. Nous interdisons, Seigneur, mon Dieu, de divorce dans nos foyers, dans le nom de Jésus, papa. Ô éternel notre Dieu, aide-nous, Seigneur, à choisir de bons amis. Aide-nous, Seigneur, à trier, Seigneur, mon Dieu, mon roi, papa. Oh, ce qui nous importe de rien, Seigneur, qu'il soit écarté, Seigneur, dans nos vies, dans le nom de Jésus, Seigneur. Nous demandons ta protection. Toi qui es le roc, Seigneur, mon Dieu, que nous appuyons, papa, sur toi, Seigneur, mon Dieu, que notre couple, que nos couples, Seigneur, soient, Seigneur, sur toi, Seigneur, fondés, Seigneur, dans la parole qui est toi, Jésus-Christ de Nazareth, afin que même quoi que le problème vienne, Seigneur, mais nous soyons protégés par toi, Seigneur. Tu es Dieu, papa. Reçois tout l'honneur, la gloire. Bénis les couples qui nous suivent à cet instant, dans le nom de Jésus-Christ, papa, et donne le discernement, là où, Seigneur, arrive des problèmes, des discussions, des incompréhensions, des infidélités. S'il y a des étrangers dans leur couple, Seigneur, mon Dieu, mon roi, tu les écartes dans le nom de Jésus-Christ. Oh, reçois tout l'honneur. Nous demandons le bonheur, Seigneur, du couple dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ouf! Prière puissante de la part de ma femme. Pendant que tu priais, chérie, il y a eu trois messages que Dieu m'a donnés. Il y a un message, il y a un couple qui me suit à cet instant. Ça ne va pas, ça fait pratiquement 2 mois que ça ne va pas. Vous entretenez vraiment, toujours vous cognez la tête, vous entendez pas. Mais en ayant écouté ce message, Dieu a mis maintenant le discernement des esprits. Les yeux sont ouverts et vous comprenez maintenant que le problème que vous aviez, ce n'était pas vous. Il y avait une troisième personne entre vous qui créait ce problème-là. Vous discernez que cette personne était un mauvais ami pour votre couple. Deuxième message, le Seigneur parle à une sœur qui me suit à cet instant. Tu es en train d'entretenir des relations avec un homme. Ton mari ne le sait pas, les gens ne le savent pas. Mais dans les réseaux sociaux, le Seigneur me dit arrête cet entretien avec cet homme pour sauver ton mariage. Si tu continues, tu perdras ton mariage. Troisième instruction, le Seigneur interpelle un serviteur de Dieu qui me suit à cet instant que tu dois maintenant écarter
certains amis avec lesquels tu fréquentes dans le ministère. Ils sont des serviteurs de Dieu, mais le mode de vie qu'ils mènent peut détruire l'harmonie de ton couple. Tu avais des bonnes mœurs, mais si avec, à cause de ces fréquentations-là, ça a mené maintenant des... Ils veulent maintenant détruire la bonne manière que toi tu avais de style de vie avec ta femme. Arrête ces fréquentations-là et reprends les bonnes habitudes que tu avais avec ta femme. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alors, bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Si vous désirez nous écrire, n'hésitez pas à nous écrire, à nous faire connaître premièrement vos témoignages, ce que Dieu fait pour vous. On sera très content de lire et d'entendre ce que Dieu fait pour vous. Vous avez des requêtes de prière, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Moi et ma femme, on prendra un grand plaisir de nous tenir à genoux et prier pour vous. Vous avez aussi des conseils. Nos frères nous ont dit qu'il y a beaucoup de gens qui ont plein de questions. N'hésitez pas à nous faire parvenir vos questions. Nous pourrons répondre à cela directement et aussi répondre aussi dans nos différentes émissions. Et donc, ne zappez pas ces programmes que nous faisons passer sur Congo Le Kélé, qui est le canal 24 sur Epibox TV, et soit aussi sur les réseaux sociaux YouTube. Suivez nos émissions. Nous aurons encore d'autres émissions avec mon épouse, avec d'autres invités. Et nous allons aussi permettre aussi de faire des réunions à l'extérieur, des réunions avec le public. Et si vous désirez participer parmi nos publics, vous pouvez prendre contact avec nos coordonnées sur Facebook, sur notre numéro de téléphone 00 32 488 36 92 61. Vous pourrez vous manifester pour participer à nos réunions, être présent, voir comment ça se passe, poser vos questions et nous rencontrer aussi et parler. Voilà, en tout cas, nous vous aimons beaucoup, chers amis. Et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alléluia. À très très bientôt. Alléluia. Mm-hmm.